scorpion. Un prédateur parfait. Il est silencieux, rapide et mortel. Le poison de sa queue peut tuer un homme. Mais même le scorpion n'est pas invulnérable. Et dans une fertile vallée dans les montagnes, plusieurs tribus nomades se sédentarisèrent et établirent le royaume d'Akkad. Les Akkadiens s'entraînent aux arts martiaux devant les yeux du roi Urmet. Un jour, ils passeront l'épreuve qui prouvera leur valeur en tant qu'assassins. Aujourd'hui, l'un d'entre eux va affronter cette épreuve. Laisse-moi t'aider à te relever, mon frère. Un homme du nom de Matthaius. Il t'a jeté à terre, Rama. Il s'est placé devant le soleil, je ne pouvais pas le voir. Matthaius a utilisé une bonne stratégie. Il t'a vaincu, non? Je pense que oui, mais c'est la première fois. Il te faudra faire mieux encore pour passer l'épreuve aujourd'hui, Matthaius. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai eu autant d'entraînement qu'il était possible. Je veux sortir voir le vrai monde. Et cette épreuve ne m'en empêchera pas. N'en sois pas si sûr! Tu dois toujours rester sur tes gardes pour être un assassin. Si tu perds ta concentration, même une seconde, tu es d'accord, mort. D'accord, j'ai compris. Bien, le roi veut te voir lorsque tu auras fini de te préparer. Continue t'entraîner et rejoins-nous en haut du village quand tu seras prêt. Allons-y, Jeza. Thank you.
Alors, Matthaius, tu penses être prêt pour l'épreuve ? Quoi que veuille le roi, je suis prêt. Pas si vite. Il est temps que tu affrontes plusieurs adversaires. Triomphe de nous deux et tu pourras voir le roi. Qu'il en soit ainsi. Ah!
nous a vaincus tous les deux, Jason. Oui. Il est très fort. Mathayus, le roi t'attend à l'intérieur. Roi Urmet, je viens commencer mon épreuve. Lève-toi, Mathayus. Tu as travaillé dur pour cette journée. Voici la tâche que j'ai pour toi. Je suis prêt, mon roi. Au sud se trouve la ville marché de Kemet. Il y a 3 jours, le seigneur de la ville a assassiné une des concubines du palais. Craignant pour leur vie, les sœurs de la concubine ont demandé l'aide des Acadiens. Je t'y envoie, Mathayus. Tu entreras à Kemet, de nuit. Une fois entré, tu te rendras au palais et tu trouveras le seigneur dans ses quartiers. Là, tu feras justice. Je comprends, roi Urmet. Sois libre, Mathayus. Mourez en paix, mon roi.